Et bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très spéciale de notre série sur Lego World où nous construisons un aéroport. Aujourd'hui je vais vous présenter les plans que j'ai dessinés et au moins ça nous montrera les grandes lignes de ce projet qui est quand même très important et assez complexe. Donc c'est tout de suite parti pour le premier plan de l'aéroport et ses extérieurs. La dernière fois à la fin de l'épisode 1 on avait fait la place avec les colonnes, le début du terminal et un peu de route et les barrières de grise pour sécuriser la zone et pas éviter toute voiture bélier. Alors après, qu'est-ce qu'on pourra faire après? On aura déjà un restaurant ici une terrasse, des toilettes, une aire de jeu pour enfants, une allée principale et un parc, enfin plutôt une fontaine. Et donc ça sera pour l'espace détente qui sera relié au reste par des petits passages piétons mais qui seront quand même bien marqués pour éviter qu'une voiture écrase quelqu'un, ce serait assez dommage. Après on aura bien entendu des services, donc c'est-à-dire un petit commissariat de police, un peu de pompiers et surtout des ambulances. Et après on aura le parking avec les places handicapées, place normale, place moto, etc. Ce sera bien entendu sécurisé avec un distributeur pour payer et entrer, une barrière et des guérites de sécurité, on aura la route tout le long, et on aura des arbres pour délimiter le territoire du tarmac, et on aura ici une petite piste qui va mener à l'aéroport en lui-même et qui sera donc très sécurisée. Là j'ai mis deux guérites de sécurité et une petite barrière, mais bien entendu ce sera beaucoup plus sécurisé que ça, je pense qu'il y aura plusieurs barrières, pas mal de dispositifs de sécurité, enfin on verra ça une fois le moment venu. Bien entendu, je ferai une vidéo pour chaque événement et chaque truc à construire. Après, on va passer au service. Donc, on aura déjà des WC un peu partout. Les poubelles. On aura des boutiques, donc un duty free. Et on aura bien entendu de la sécurité pour éviter tout problème. Et donc, ça seront l'ensemble des services qui seront proposés aux clients. On aura des panneaux d'information. Et peut-être une station de métro ou une gare, ça on verra plus tard, mais je ne suis vraiment pas sûre. Et pour les caisses, on aura bien entendu une file d'attente assez longue. On aura déjà tout ici à attendre avant d'arriver aux caisses et d'accéder aux avions grâce à l'embarquement. Donc on va embarquer tout simplement. Voilà pour les services qui seront proposés aux passagers qui vont utiliser notre, tout simplement notre édifice, donc l'aéroport. Après, ici, la route qui mène à l'aéroport, donc j'ai refait pareil. Ici, on aura des services, bien entendu, beaucoup de pompiers, beaucoup de police pour éviter la contrebande et aussi des secours s'il y a des problèmes qui arrivent sur la piste. Ici, on aura l'aéroport avec ses trois passerelles d'embarquement. Ça suffit, un petit parking, une tour de contrôle. On aura bien entendu une piste principale très 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 longue. Ce sera la seule. Elle sera reliée à des petits parkings pour que les avions attendent. Et elles seront reliées avec un marquage au sol voyant de nuit comme de jour qui mèneront au passage d'embarquement pour que les passagers puissent rentrer. On aura après ici peut-être un espace spatial avec par exemple des projets de fusée etc. et des décollages. Ça, c'est pas sûr du tout. Après, on aura un héliport très important que je ferai avec des pistes pour, enfin pas des pistes, mais des endroits pour atterrir. On aura pas mal d'hélicoptères et on stockera aussi par exemple les hélicoptères de la police aussi. Après on aura une route qui encadrera tout ça. Et on aura peut-être, là je l'ai pas mis, mais un peu plus loin et à part, un endroit avec des jets privés. Donc là on parlera plutôt des avions, peut-être pas des avions fonctionnels du jeu, mais plutôt d'avions que je ferai moi-même en bloc, peut-être en vidéo, pas en vidéo, ou en vidéo, je sais pas, la piste, bien entendu, ne sera pas faite en vidéo, on est d'accord. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, voilà les principales idées de notre projet d'aéroport. En tout cas, j'espère que ces idées vous plaisent. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Les 200 abonnés ont été dépassés. Merci à vous. En tout cas, moi, je m'arrête là, je vous ai tout dit. À très bientôt pour une prochaine vidéo de la série. Elles arriveront, par exemple, une fois tout, pas plus d'une fois par mois. Normalement, ce sera impossible. Mais ce sont des vidéos qui prennent du temps, car il faut réfléchir, tourner, etc. Et en semaine, je ne peux pas. Donc, c'est le week-end, à peu près, par exemple, 2-3 semaines environ. Enfin, on verra ça pour l'arrivée des prochains épisodes. Enfin, vous verrez ça
une fois qu'ils seront publiés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!